Hey yo la bande à Bruno! Voilà, on va pas du tout m'entendre avec ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Comment ça va les amis? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de peinture street art. D'ailleurs, ma première vidéo YouTube qui a grave marché, je vous la mets là, c'était ma première peinture en extérieur. Je suis loin d'être un expert en peinture murale. J'ai envie de m'entraîner, d'arriver à faire des traits plus fins, de faire des dégradés par exemple aussi. Je pourrais pas forcément vous donner des conseils, mais je vous montre comment moi j'essaye d'expérimenter et de progresser. Et si vous voulez vous aussi progresser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment faire du street art, et ben le mieux c'est de s'entraîner tout simplement. Let's go! Thank you.
Bon, attendez, soleil, voilà, j'ai plus de batterie dans la GoPro, bah, je vais terminer un petit peu au téléphone, comme je fais d'habitude sur TikTok finalement. J'espère que cette vidéo vous plaira. D'ailleurs, si déjà elle vous plaît, il me reste quelques petites retouches et l'outline en noir. Bah si jamais ça vous plaît, du coup je disais, petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, mettez la cloche, voilà. Bah c'est reparti. Vas-y, je vous emmène, on va faire l'outline en noir. Alors, on prend le noir, que j'ai déjà pris finalement pour faire 2-3 petites ondes. Ah non, c'est vrai qu'il faut faire quelques petites retouches. Bah ça tombe bien, j'ai enlevé la cape du noir, on la met ici. C'est vraiment des toutes petites retouches, donc là je m'en fous un petit peu du masque, j'ai pas forcément besoin. Eh franchement, c'est propre hein, je suis content de moi. Il y aura presque même pas besoin d'outline. Mais ouais, il y aurait presque même pas besoin d'outline en fait. Franchement, je suis content. Donc, pour le outline, on va prendre les caps les plus skinny que j'ai. Alors, je sais plus lesquelles c'est. Donc, on va tester les deux. Celle-là, qu'est-ce que ça donne? Celle-là, elle est bouchée. D'accord. Donc, ça dégage. Une autre. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Ça n'a pas filmé tous mes tests. Mais au final, c'est la caps bleue la plus fine. Donc c'est parti pour faire l'outline de tout ce bordel là. Ah, par où on commence? Commencer par ce côté. Là, c'est vraiment quelque chose de ultra précis. Ok, j'ai déjà fait un truc pas droit, c'est génial. C'est à peu près droit. C'est vraiment une première pour moi d'essayer d'arriver à faire des traits qui se terminent en pointe comme ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et je trouve que bah pour une première, j'y arrive plutôt bien. Go faire ça sur tout ça. Ah là là, ça va durer longtemps. Mais ces caps, elles sont incroyables. Ça fait vraiment des traits hyper fins. Voilà, j'ai donc fait tout l'autre côté, là. Ah non, ça c'était le premier côté, pardon. J'ai fait tout le deuxième côté, là. Et du coup, on va faire ensemble le milieu, là, avec les deux petites pointes. C'est marrant, les deux petites pointes à faire. Enfin, c'est très technique, mais une fois que tu l'as réussi, ah, je peux te dire que t'es content. Est-ce que vous m'entendez comme ça avec le masque? Je sais pas si ça fonctionne correctement. Allez, c'est parti. Alors, d'abord, on part sur les petites bulles ici. Alors à la base, moi j'ai dit que c'était une explosion, mais au final ça ressemble un petit peu à des bulles. À vous de me dire dans les commentaires si vous trouvez que ça ressemble à une explosion ou à des bulles. Plutôt stylé, j'aime bien. Allez, là c'est bon, on n'a plus besoin de se mettre accroupi, c'est moins galère. Toujours vérifier à prendre du recul un petit peu pour voir si ce qu'on fait, ça n'a pas une forme absurde. Et du coup, c'est un style complètement cartoon que je fais. Je m'inspire par exemple de l'artiste Piotr pour cette peinture, qui fait aussi lui-même beaucoup de nuages, beaucoup d'explosions. En regardant son style, on voit que, comme j'ai fait là, du coup, des traits qui se terminent en pointe déjà. Il y a des traits plus larges, voilà, un trait bien plus large que ici, vous voyez, par exemple. Il fait varier les largeurs comme ça. Ça fait aussi varier le dynamisme de la peinture en général. Allez, là, c'est galère. D'un seul coup. Ouais, plus ou moins d'un seul coup. Voilà, et le dernier. Oups.
ce qui est chiant avec l'outline noire, c'est-à-dire que si on se rate, bah on peut pas forcément rattraper le truc. Sinon, c'est quand même assez galère parce que les couleurs sur le noir, surtout les couleurs claires, il va falloir passer plusieurs couches pour que ce soit bien opaque. C'est-à-dire que si on s'est merdé, eh ben on s'est merdé. Eh ben écoutez, voilà, plutôt pas mal. Il y a quelques traits là, comme ci, là, comme ça, qui sont un peu moins bien. Mais bon, écoutez, pour une première fois où j'essaye ce style... Genre le masque, vous m'entendrez mieux. Je disais donc, pour une première fois où j'essaye ce style cartoon comme ça, bah là, finalement, je suis plutôt content, hein, j'avoue. Et c'est parti. Il y a des endroits comme là où du coup il faudrait potentiellement remettre du rose, mais j'ai plus de rose. Et là j'ai bientôt plus de blanc aussi, alors que j'ai fait à peine la moitié. Et presque vide. Heureusement, j'en ai une deuxième. Ah, il commence à trop bugger. C'est mort, on va le finir. Ah ouais, bah il y avait vraiment plus rien du coup. Une bombe vide de plus qui sera customisée et qui se retrouvera sur la boutique. Le lien, il est dans la bio. On va donc prendre un autre blanc. Voilà comment j'enlève les bouchons, moi. Oh là, dis donc, viens là, toi. C'est pas possible. Elle est vraiment merdique. Oh là là, dis donc, si vous voulez acheter des bombes de peinture, n'achetez pas cette marque parce que c'est vraiment de la merde. Regarde ça, ça couvre rien. J'ai obligé de passer 5 fois dessus. Bon vas-y, ça me saoule la vidéo là parce que cette bombe elle est vraiment merdique. Je vais essayer de le faire un petit peu mieux sans filmer. Que là tu vois c'est déjà en train de dégouliner, c'est dégueulasse. Et voilà, terminé avec ça. Je vous mets dans la description des liens vers des bombes de peinture de marques que je préfère que celle-là. Pour éviter que... Regardez là c'est dégueulasse là-bas. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail avec la vidéo tout à l'heure. C'est pas du tout du placement de produit, mais c'est pour éviter que vous tombiez sur des bombes de peinture comme ça qui sont vraiment vraiment pas ouf. Un enfer, ça dégouline, ça ne couvre pas, c'est beaucoup trop haute pression alors que c'est pas marqué haute pression, je comprends pas. Et apparemment une peinture de couleur, oui, bah écoute. Voilà, dégage. Bref, je vous montre donc la peinture, ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à souscrire à une très très belle soirée et surtout de passer un agréable abonnement à la chaîne ainsi que de mettre la cloche. Ciao, bye! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.